faire tomber Barag. De toute façon, on va tenter. Voilà. C'est bon, on se croirait en infériorité. Tu vas bouger ou tu vas rester là pour savoir? Au moment, je vais pas avancer, hein. Sauf là, mais tu te doutes bien qu'avec vu comment ça arrive, ils vont surtout essayer d'encercler. Le seigneur, je cherche le seigneur, il est où? Tu veux que je fasse quoi là avec les guerriers? Que tu temporises. Ouais, mais tu veux que je temporise. Je vais aller temporiser les sangliers. Bah, pas ceux-là. Ah, ça y est, j'ai le seigneur en vue. Va falloir qu'on essaie de diviser un petit peu l'armée en fait. Là, on va se taper quand même deux trucs dans le dos. Il va essayer de te charger, donc il faudra que tu fasses gaffe. Faut que tu changes de cible. J'ai pas changé de cible. Non, lui. Ah, la cave va nous arriver dessus. J'aurais pas le temps de les intercepter. Ouais, je sais. Ah, je vois son général. Ouais, je le vois aussi. J'ai juste essayé de protéger les... Ouais, parfait. What? Ok, ton boulet a tapé sur moi, j'avais pas compris. Allez les gars, faut y aller. Allez, allez, Thorgrim, traverse les lignes. Oh! Mais non, monseigneur se fait pas attaquer puisque c'est moi qui lui ordonne. Ah, le seigneur il fait mal hein, ton Thorgrim il va pas sur le seigneur. Bah si, mais comme d'habitude. Bah mes guerriers vont bientôt lâcher quand t'es... Bah en même temps on a une de séance sur la droite. Je peux tirer dans la horde que... T'en prie. Allez, tuez-le. Non, vous le laissez pas partir, putain, Thorgrim, porte tes couilles un peu. Ils obéissent plus, allez tirez dessus. Mais pourquoi ils veulent pas? Ils veulent pas tirer? Ah ça a lâché à droite. Bah ouais mais vas-y, si le jeu se me lâche là. Ok bah merci le jeu. Mes unités ont plus voulu tirer. Du coup il a pu s'enfuir. Putain c'est une grosse blague. Impressionnant une wag quand même. Mais non, mais que dalle. Ça, ça me pète les couilles en fait. N'importe quoi. Moi aussi je veux des orques sauvages dans ma partie. Tu
C'est de la merde les orques sauvages. C'est surtout ces unités de tir mon gars, c'est pour le taf hein. Normalement les orques sauvages c'est pas censé fuir. Bon. Sauf quand ça perd vraiment trop au combat en fait. En fait c'est super violent normalement. Ils ont un truc qui s'appelle la frénésie. Oui t'as plus. Et tant qu'ils perdent pas vraiment un combat, ils restent là. J'avais 3 unités complètes d'arbalétriers qui tiraient sur leur seigneur et ça a complètement bugué. Gentiment. Ils sont accroupis comme s'ils étaient cachés et puis voilà. C'est tout. Tu veux qu'ils meurent au combat le spécialiste des projectiles ou pas? Mais personne va mourir du tout. Fais-toi une place parce que. Ouais. Sur les archers, enfin reste en mouvement quoi. Mais si vous pouviez obéir à mes ordres pour changer, putain. Pour être pas mal quoi. Sérieux. Oh là là là. C'était moi une, mais les techniques supérieures de l'ennemi vous ont vaincu. C'était moi une. Il était marqué ça. Voilà comment bien se niquer une partie. Attends, c'est la news du siècle. Barakvar, mais vas-y. Mais il a plus rien, Barakvar. Non, s'en branle. C'est parce que ces deux armées sont en plein territoire orc, tu pourras les dissoudre. Putain, mec, attends, c'est la divine providence. Oh le coup de bol. Ouais parce que je me fais rouler. Ah oui tu m'étonnes qu'il accepte. Non mais mec tu te rends pas compte. Ah si d'accord. Ouais, c'est toi qui te rends pas compte. Ouais mais non ça te servira. Puis avec tes collines on peut lancer un accord commercial. Ah ouais, j'ai une armée au sud là. Top Nod il va faire demi-tour. On va récupérer les roches de fer. Ah bah oui, forcément. Ça fait une confédération. Rapport de bataille. Défaite. Stop, s'il vous plaît. Arrêtez de lire mes rapports de bataille de ces 20 dernières années. Les collines de Varenka. Varenka. Bah la frais, tu retournes dans ton... Dans ton presbyte. Allez. Bon par contre voilà. Confédération, moins 40 de relations diplomatiques avec les nains. Et moins 8 d'ordre public. Le Nord se souvient, je t'avais prévenu. Je te l'avais dit Vadé, le Nord se souvient, on va tenir. Moins 8 d'ordre public. Par contre maintenant que j'ai un port, je peux faire des échanges avec des gens qui ont un port. Donc c'est-à-dire personne. Et c'est Marienbourg. Génial. Marienbourg. Et c'est qui Marienne? Marienbourg. Marienbourg, non mais ok quoi. Ok quoi. Ça on en a déjà un donc ça sert à rien. Par contre on n'a pas d'argent. Revenus générés plus de 100. Non on va faire plutôt de la croissance. Parce que je pense que les revenus pour le moment c'est le dernier de nos soucis. Hein, concrètement. Ah, c'est pas mon cas. Allez je suis repassé 30ème en rang de force. Ouais ouais. Et t'as combien pris, t'as pris ma place. Bah t'as pris ma place, 7ème. 7ème. Ah oui. Eh oui. Bien joué. Ah oui. Nice one dude. Le gars il est passé de dernier à 7ème. C'est ça. Et inversement. Je peux toujours pas faire d'accord avec toi. Il y a un jour faudra qu'on se fasse une route. Hein. Quoi une petite route. Peut pas faire d'accord entre nous? Non. Si, on a les collines de Varenka qui nous relient. Ah on peut se faire un pack de non-agression. Vas-y alors. Non mais Zoufbar, pas toi. Toi qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu m'as trahi. Tu m'as trahi au moment où j'avais le plus besoin d'aide. Tu m'as fait ah bon, t'ai trahi désolé. Quand I do not trust you. Et t'inquiète pas que ce 1-1 désolé restera gravé à jamais. Alors, les Vargues, on va faire une alliance. The Empire. Eh, rang 11 l'Empire. Greetings. All you say... tout ce que vous allez dire n'a aucun intérêt. Oui. Eh, putain, les top 9, ils sont numéro 2. Hein. Ah non, j'ai eu peur. Bah si. Ils ont tous colonies, ils sont niveau 2. Niveau 2. C'est le numéro 2 du serveur, putain. C'est pas les Vargues. Ça y est. Mais non, ils sont fait détrôner. Fini les Vargues, c'est. Pff, c'est tellement 2015. Ils sont niveau 6 maintenant, terminé, allez hop. Oh, mais putain de merde. Faut vraiment être con, hein.
qu'il y a? Bah rien. Ah, pour ce que t'as fait, oui. Non, ça c'est le truc pour le vampirique, nickel. Pour la province. Vas-y. L'armurerie oh, encore deux tours. Ah bah oui, mais du coup dans la province, à partir du moment où j'ai une caserne de clan construite, j'en ai plus besoin de l'autre. Oui. Ah bah oui. Je vais pouvoir faire un peu de place. Pour qu'on soit autre chose. Hop. Je pourrais relever mon seigneur dans un tour, deux tours. Ouais. Azul, Azul. Black Venom, on fait la paix avec Choix Seven. Et Kagoun, le balafré, est passé niveau 2. Kagoun, c'est une légende aussi. On est comment au niveau... Allez, mon gars! Moins 3% de corruption et plus 5 d'ordre public. En fait, je pense que je vais virer tous les mineurs qu'il y a dans l'armée. Là, je vais gagner un peu plus. J'aurais dû faire ça au tour précédent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Confédération, moins 40. Recrutement plus 25% pendant deux tours. Je peux pas virer ça? Oh putain. au pire tu l'annules, mais on peut pas l'annuler. Eh n'empêche, il s'est... Non mais franchement, il a géré... En fait, qu'il se lève, il a complètement défoncé les armées de... Ouais. De Var, c'est pour ça que j'y suis pas allé en fait. C'est pour que j'y vais pas parce qu'il a... Mais mec, mais cherche même pas, il a assuré. J'ai pas besoin d'aller l'aider en fait. Ses troupes sont magnifiques, j'adore le... Le truc chevalier comme ça. Chevalier de l'Empire. Ouais, bah c'est badass. Par contre, j'espère qu'il va, il vient pas pour moi. Le Varg là. Bah, t'es en guerre? Ah, peut-être. Il y a un Karakungor. La garnison. Tu vois, par exemple, si j'avais pas fait de la merde et que j'avais pas attaqué Barag, je serais venu avec mon armée et je t'aurais aidé à faire ton siège. Tu vois? Oui. Par exemple. Pourquoi tu fais pas d'armée? Bah. Comme tu me l'as demandé au début du tour. Ouais, mais tu m'as dit que tu devais attendre deux tours, mais tu m'as pas dit pourquoi. Pourquoi? Parce que faut attendre que Torbjörn se soit remis de sa sieste. Bah non, t'as un héros à Karazakarak. Je veux pas former d'armée là-dessus, il est niveau 14, je peux le faire sur Torgrim. Attends, tu t'en bats les couilles, Torgrim, tu vas le faire revenir où? Au Mondus Quick Cornu. Sérieusement? Bah oui. Bah, tu fais recruter, et comme ça, quand il arrivera, il aura déjà des troupes à récupérer. Et puis comme ça en plus si l'autre il attaque Karazakarak t'as plus de troupes. Non mais c'est bon Karazakarak. Y'a aucun risque hein. J'ai une armée complète en réserve hein. T'as pas vu ce qu'il y avait en réserve c'est... Ouais bah, sinon, la garnison est pas mal. Mais la garnison j'ai pas besoin de recruter ça. Non bah je vais mettre un seigneur de merde en attendant et puis... Non mais tu peux le faire. Non mais ça va être de l'argent perdu en plus. Je sais bon, pas ce qu'il t'a fait Ulfar Bonneuil pour pas que tu veuilles recruter chez lui, mais tu peux transférer l'armée après quoi. Ouais, mais ça va prendre du temps pour rien, c'est chiant. Non, ça prendra moins de temps au contraire. De toute façon, il me faut encore un tour pour l'armurerie avant de recruter donc. Bah ouais, mais recrutez pas des arbalétriers déjà. Bah non, je vais recruter des lourds, je vais attendre. C'est ah, tu. Ok, d'accord. Ah oui, je suis en train de faire l'armurerie donc je suis pas non plus. Donc du coup, bah... tu m'as dit, il faudra attendre parce qu'une fois qu'on a fait. Ouais, bah non, bah s'il faut faire ça dans la même province alors. Ah bah non, j'ai fait l'armurerie dans la même province que les trucs, donc c'est bon. T'es en train de la faire où là ton armurerie? Bah non, bah c'est sur le seul endroit qui me reste, la province de l'argent. Donc... Province de l'argent? Bah oui, la route de l'argent. Pardon. Bah c'est la province où je suis de base. En fait, il te reste qu'une province? Bah j'en avais que deux, enfin non, j'en avais toujours qu'une en fait. Ouais, mais t'avais commencé la deuxième, t'avais Karakdron, Rocher de Fer, et il te manquait Pique Noir. Ouais. Ouais. Par contre, là, je commence à me dire que les orques et gobelins, ils vont nous remonter si ce... Ah oui, mais non, mais c'est pas, tu vas me dire, ils vont nous remonter maintenant qu'on a donné l'occasion à Topnos, enfin que j'ai donné l'occasion à Topnos de remonter, c'est ce qui va se produire. Ils vont reprendre tout ce qu'il y a au sud, Greenskin se refait complètement, maintenant ils vont récupérer leur ville si Topnos leur prend pas sous le nez, et puis ils vont remonter. Ouais, bah ça, de toute façon. C'est les anciens trucs de baraque. J'aurais dû le laisser en fait, j'aurais pas dû faire la confédération, ça m'apporte des malus plus qu'autre chose. Hein. Ouais, mais ça t'a rapporté du fric pendant le peu de temps que ça aura duré. Ah bah voilà, il sort fini. Ah non, j'en ai perdu. Chagrin de Chalaya, ah c'est bien vu. Bien parce qu'ils ont un viable. Héros. Mais ils ont un héros, le héros il a plus de vie.
T'as juste à mettre... Ah, mais d'accord, tes hommes sont complètement cassés. Oui. Okay. Ah bah oui. Ah oui, bah alors là, ça va être compliqué. Hop. Alors. Ouais, tu vois, tout le monde je, les, occupe, je les aurais pas laissé prendre le... Moi j'aurais d'abord mis l'infanterie et attendu, comme ça... Parce que là, les mineurs, ils auraient pu faire fuir les archers, quoi. Pourquoi ils tirent pas les arbres, pourquoi ils tirent pas? Ah, ils avaient pas envie de tirer, ils tirent sur le seigneur. Ouais, c'est ce que je fais, mais ils tiraient pas depuis le début. Ouais, mais, j'ai eu le même bug tout à l'heure. Ils s'accroupissent, ils font plus rien. Bah là, t'as des arbres avec qui tirent pas du tout. Pourtant, ils ont des mules. Ah, c'est peut-être à cause du relief. Peut-être. Ton seigneur va claquer, hein. Pourquoi tu l'as envoyé au cac? Pour les retenir. Ouais, mais c'est ton seigneur. Ça allez, faut focus là, tirer. Ils ont pas rechargé, Oh. Puis il s'en sort alors qu'il lui reste un pixel. Allez, abandonnez les catapultes, déchargez. Non, laisse continuer à tirer, On tire sur les archers. Ah, c'est ce que je fais. Tu vas jamais mourir ou quoi? Non. Il est immortel. Je pense que c'est à cause du relief. Ah là, ils se retournent les arbalétriers. Pour... D'accord. Ah non. Et ça commence à tirer. C'est un peu tard quand même. D'accord. Bon allez, vous allez l'avoir, oui? Non. Ok, personne ne veut se le faire. Hein. Par contre, celui-là... C'est vous qui l'a pris? Bah ils prennent tout, Oui, j'avais à peu près compris. Voilà, je vais avoir 12, rancunes dans mon livre à cause de ça. Alors c'est la pire erreur que j'ai jamais faite, c'est de faire cette confédération. Ah bah oui, l'avènement du chaos, tiens. Oh, l'armure de Skeldor, possédée entièrement 4 provinces. Ah oui, j'aurais carrément ça. Oui, là ça va être compliqué. Putain, j'ai 11 000. Ah vache. J'ai mis autant d'argent depuis le début du jeu, eh. Attends, qu'est-ce que je devais réfléchir déjà avant... Ah oui, si je me prenais le Mongoonbad ou pas. La montée du chaos. J'ai eu la hache de Grimnir, fallait que j'ai 10 000 de côté. Placer deux unités à choisir parmi le gyrocopter, le gyrobombardier. Bah ça, ça va être compliqué les enfants. Et du coup, elle est où? Ah, parce qu'il faut que j'aille la chercher. Oh, vous êtes chiant, hein. Elle est où? Bah elle est à ma forteresse. Mais bon. Bon, toi, décale-toi dans cette ville-là, du coup, Ulfar. Oula, tu... Oui, non. Par contre, je crois qu'ils vont bientôt aller sur Barak Drone. Hein. Sans blague. Mais pourquoi je peux pas? Oh, faut encore attendre un tour, la barbe. C'est pas possible. Aïe aïe aïe. Mais en plus, j'ai perdu de la trésorerie avec ces conneries. Une blague. Une blague monumentale, là. D'accord. Il faut avoir la forteresse niveau 4. D'accord. Mais pour ça, il faut. Bah, on peut pas. Ah, si, il faut avoir ça niveau 4. Et il faut 4 de popu. Ah, bah, la prochaine. Ok. Bah, ça, c'est bien. Du coup, on va recruter. Qu'est-ce qu'on peut recruter? On peut recruter des arbalétriers lourds. Mineur charge de démolition sans branle. Re. By the grudge bearer's will. Ils
Donc, bah oui, en fait, j'ai oublié que je devais peut-être attaquer Zoufbar, donc je l'ai pas attaqué. Ah! Bah, prochain tour. Bah, c'est-à-dire dans 2 secondes. Et qu'est-ce que j'ai débloqué? Les longues barres en armes lourdes. Ok. J'ai déjà recruté ça, ce que c'est dans un Attends, j'ai tour. fait un petit retour au bureau, 2 secondes. Bah, Je j'ai passe pas fini, ton donc je passe tour. mon tour là. Ah bah alors attends, laisse-moi revenir. C'est trop tard, c'est passé. Ah, ça c'est pas mal. L'appel du clan. Ah, d'accord. Il y a un truc après, c'est. Non. Tu me dis quand t'es revenu. Retour. Ça, c'est du I'll be back. Tu viens au moment du squeak cornu là? Ah non. Alors, maintenant, on n'a plus besoin. Vu que je lui ai aidé, je lui ai viré l'autre. Qu'est-ce que c'est l'autre truc? Attends. Relation moins 10 avec Karak Kadrin. Oui, bah, je suis désolé, hein, mais je peux pas perdre de l'ordre public. Alors. C'est moi Karak Kadrim, donc c'est pas grave. Oui, je viens de te dire, je suis désolé, mais j'ai pas le choix. Alors. Je sais même pas ce qui s'est passé en fait. Je sais pas, j'ai dû te faire prêter serment, parce qu'apparemment ton fils avait déshonoré sa famille. Encore? Cette famille alors. Niveau 14. Alors, au roi, j'ai déjà obstiné. Rune de Grimnir, résistance au projectile plus 10%. Ou Bon, chercher l'ennemi. What? Oh, oh. Ah par oui, quelle ça c'est. rancune je vais commencer? Parce que disons que j'en ai pas mal. Hop. Et normalement. Rancune du Karak brisé. Je pourrais améliorer ma forteresse niveau 4 quand j'aurai 4 de surplus, c'est-à-dire prochain tour. Forteresse niveau 4, je pourrais avoir l'armurerie niveau 2, enfin le truc au-dessus là, et les fusils niveau 2. Ok, alors toi tu vas donner tes troupes à. Hop. Tu lui donnes tout. Car c'est ton roi. Allez, bouge. Tu seras prêt à partir dans combien de temps? Send me to vengeance. 2 tours, je pense. Et tes héros, ils vont rester à se la toucher à côté du monstre du squeak cornu ou ils vont venir avec nous? Je vais descendre par la gauche, là, je pense. Commence par le haut, hein, je te le dis tout de suite. Ensuite, je descends. À moins que toi, tu veuilles que je descende et que je commence par. Il faut que je récupère les collines du Varanka, Barakvar. Hop, ça va nous faire 8. Tu veux prendre quoi toi, Mickaël? Tout ce qui pourra nous sauver. Est-ce que tu pourras reprendre le rocher de fer? Parce que je pense que de toute manière, t'as une rancune pour le récupérer. Mais non, mais j'ai qu'une rancune moi. Pas T'as 500 qu'une rancune. rancune? Bah Putain, moi j'ai oui. une rancune à chaque fois qu'on prend un Ah territoire, oui. hein. Moi j'ai une rancune uniquement sur récupérer. Non, faire monter niveau 15 pour être ingénieur. Ah bah voilà, d'ailleurs c'est ça que je dois faire. Les faire revenir dans mon armée. Voilà. Hop. Bonjour monsieur allié. À chaque fois que mon nain, mes petits nains passent devant toi, ils font ton fils est déshonorable, ton fils est déshonorable. Ah vous êtes au courant. Eh oui. À moi ils me font ça? Oui. À moi. Oui. À moi, Mickaël. Oui. Passe. Rien, je me fais attaquer au nord par les orques. Non, cherche pas, je viens de bien dire, on vient de se faire attaquer au nord par les orques. Ah, au nord. Au nord. Par les orques. Au nord. Ouais, bah je crois qu'on va lâcher le nord. Hein. Mais bon. Dommage pour lui. Sans doute une farce de la part des dieux. Oui, sûrement. Ça y est, on est niveau 4. Surplus de la route d'argent. Unité recrutée, unité recrutée, parfait. Alors, toi tu rentres dans ta ville. Bah, il va venir presque au sud. Ah, la corruption est là. Hein. Et comment elle va se barrer la corruption? Elle va pas se barrer sauf si on zigouille. Et si on zigouille le chaos. Et si on zigouille le chaos, c'est bien le monsieur que je pense qui va diriger. Hein? C'est bien le monsieur que je pense qui va diriger. Il va diriger quoi? Bah la horde du chaos. On zigouille le chaos. Non mais de toute façon en fait il n'y a pas vraiment de chaos. Comment dire? Les vargues en haut, c'est pas à proprement dit le chaos. C'est des nomades qui suivent les rois du, les dieux du chaos.
pas de, c'est pas vraiment des nomades, mais des hommes d'une quoi. Ouais. Et le chaos, c'est genre là, il y a Archaon, je crois que là c'est Archaon, qui a été envoyé par les dieux. Et il aura menti. Hein? Non, non, il vient. Il vient et il leur dit le chaos, hey, les dieux m'envoient et c'est parti. Regarde déjà, ces armées elles sont à droite du camp de Baer Lansing. Je dis sous tout au nord. C'est-à-dire, tu dis sous. Mais ouais. Parce que les orques vont me faire chier et j'ai plus de quoi me perdre. Je peux plus me permettre de perdre. Et je vais imposer parce que j'en ai ras le cul et que j'ai besoin de fric. Voilà. De toute façon, je te l'ai dit, on s'est trop étendu dès le début. Non, voilà, c'est ça. Pour moi, on aurait dû commencer par se faire toutes les montagnes et se développer. En fait, moi je pense, juste avec la province de base, j'avais de quoi en nettoyant les orques. Je veux dire, c'est vrai que Gnarchak est quand même assez menaçant dès le début, etc. Mais je pense qu'il y avait de quoi la place de se développer. Et au moins, quand on avait nos forteresses niveau 3, je pense que là on pouvait débuter. Maintenant, après, c'était que du surplus. On avait la stabilité du fric, etc. Ça a pas été le cas. Voilà quoi. Ouais, ce serait bientôt. Et ouais, c'est battable avec ce que t'as. Ton seigneur est large. Ouais, tu le pètes. Il la prend. Ouais, donc tu vas pouvoir le péter. Ça va le calmer un petit peu. Niveau 6. Et le mec, c'est vraiment le gars qui up en faisant rien quand même. Le mec, il est passé niveau 6 en restant juste dans l'effort à chaque fois. Ça, c'est bon. Accord commercial dissous avec Zubbar. Ah bah oui, il a pu sa ville du coup. Oh là là, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Hein. C'est fou de chuter aussi fort que ça. Il était top 7, je sais pas si tu te rends compte. C'est fou. Bah Zubbar, il a chuté, mais... Ouais. C'est la descente aux enfers. Ok, prochain tour. Là, je suis à 13 unités. Prochain tour, 2 canons. Vas-y. De toute façon, je pars pas avant d'être à fond. Ah oui, toi, t'es des longues barbes avec Arnold, ce que tu prends. Bah, t'as cru que j'allais m'emmerder. Je prends le must du must, hein, maintenant. Pour les dégâts, ouais, mais peut-être pas pour la défense. Ah, pour la défense, j'ai mes arbalètes. Non, là, t'as pris des arbalètes. Enfin, je veux dire... Tu devrais avoir quelques unités tanky. Ouais, mais bon. Moi j'ai que ça, ouais. C'est que du tanky. Guerrier nain à armes lourdes. J'ai pas vraiment de dégâts, mais les dégâts, ce sera les arbalétriers, quoi. La défense en mêlée, en fait, c'est plus les longues barbes de base. Ouais. Qui vont être plus tanky. Il me faut plus d'unités de tir. Je sais pas si ils font plus de dégâts les. Les quoi? Attends, je regarde. Munitions portées, dégâts au tir. Non, ces arbitriers lourds font plus de tirs que les arbus. Font plus de dégâts au tir que les arbus. Même les catapultes des rancunes, ce sera quand même utile, je pense, sur l'inf. Parce que c'est de l'anti-infanterie. Donc, je vais en prendre deux aussi.